La deuxième étape de cette 30e édition des 4 jours de Dunkerque, nous sommes le 3 mai 1984. Le départ a été donné à Dunkerque, l'arrivée aura lieu bien plus tard à Denain. Le début de l'étape, eh ben, on a quelques petits reliefs et on va voir deux coureurs se porter à l'avant de la course. Pascal Campion, déjà dans l'échappée la veille, lui protège les intérêts de pouvoir avoir le maillot démon. Il était accompagné un moment par Gaigne. Malheureusement pour ces deux coureurs, la bagarre va commencer entre les favoris. Bernard Hinault est très agressif et avant Doué, il attaque une première fois. Mais Van der Arden, le leader du classement général avec son maillot rose, vainqueur de la première étape et deuxième du prologue, réagit à l'offensive du blaireau, tout comme Yet, que vous voyez là avec son maillot blanc à rayures jaunes, vainqueur du prologue. Lui ben, aussi réagit aux attaques de Bernard Hinault. On va voir une belle bagarre, malgré qu'il n'y a plus beaucoup de petites difficultés, enfin du relief sur cette étape. Il y a pas mal de vent, donc il faut être placé à l'avant de la course. Et quand on veut être placé à l'avant de la course, il faut être offensif. Et là, on va voir encore une attaque de Bernard Hinault. Et derrière, ben, c'est Shane Yates qui réagit à l'offensive de Bernard Hinault. Et ensuite, eh bien, un passage à niveau va un petit peu calmer les ardeurs quelques instants des coureurs avant d'attaquer les secteurs pavés. Et oui, c'est une étape très intéressante. Du vent, quelques monts au début et des pavés par la suite. Mais avant, on va voir une offensive de l'ancien champion de Belgique, Verlinden, accompagné par Solved, tandis que derrière, c'est l'équipe surpuissante, formation Panasonic, aidée de l'équipe Renault, qui vont donc revenir à l'avant de la course sur les deux hommes de tête. Maintenant, en place au secteur pavé de Wallers, et là, on va assister à un gros travail de la formation La Redoute. La formation La Redoute est sur ses routes, puisque c'est une équipe nordiste, avec notamment Bondu et Vandenbroek. Et donc, ben, au fur et à mesure des secteurs pavés, la sélection va se faire au sein du peloton. Il va avoir le secteur de Verlin. Et là, le peloton a complètement explosé. Et après ce secteur, Eric Van der Arden, le maillot rose, va connaître une crevaison. C'est un moment fatidique, même fatal pour le Belge, puisqu'il va d'abord changer de vélo avec un de ses équipiers. Il va essayer de revenir en gros rouleur qu'il était sur le groupe de tête. Malheureusement pour Eric Van der Arden, c'est fini pour lui devant, on s'entend. Il y a Eddy Plancaert, vainqueur de l'étoile de Bessège, et Walter Plancaert qui font partie de la formation Panasonic. Mais malheureusement, ben, ils voient que leur leader derrière ne revient pas. Eddy Plancaert a aussi remporté le Het Volk. Il y a Bernard Hinault, troisième de Paris-Nice, accompagné de Bruno Cornillet pour la formation La Vie Claire. Serge Beucherie, Pierre Bazot et Jean-Louis Gauthier pour la formation COP. Jean-Luc Vandenbroek, vainqueur en 1980. Alain Bondu, Didier Van Oerschelde, Étienne De Wilde représentent l'équipe La Redoute. Rudy Danen et Rudy Matthijs pour la Splendor. Léo Van Vliet, vainqueur en 83. Joep Zoetemelk et Roger De Grief pour la Quantum. Martial Gaillant et Vincent Barthaud pour Renault. Et Philippe Poissonnier pour l'équipe Skill. Voici donc la constitution de ce groupe qui se dispute au sprint à Denain la victoire. Et c'est Eddy Plancaert, donc le vainqueur de l'étoile de Bessège et du Het Volk, qui se montre le plus rapide devant Bernard Hinault. Le groupe Van der Arden finit à 1.12 et Bernard Hinault, grâce aux bonifications, va prendre le maillot de rose, tandis que vous voyez Eddy Plancaert avec le bouquet de la victoire d'étape. Bernard Hinault qui récupère un maillot de leader. Maintenant, on se concentre sur le top 10 de l'étape. Plancaert, Hinault, Beucherie, Vandenbroek, Danens, Van Vliet, Bazot, Bondu, Van Oerschelde et Zoetemelk.